C'est un peu d'action, hein, mais bon. C'est vrai qu'il y a mieux, hein, question d'action. Bon, lui, je pourrais me le faire, hein, si je voulais, mais bon. On va se barrer, hein. Ça sert à rien de faire durer ça plus longtemps. C'est trop long. C'est beaucoup, beaucoup trop long. C'est dommage. Retourner dans le désert, on verra bien ce que ça donne. Les 8 heures en easy, finalement, c'est... Bah non, oui, on n'est pas en easy, on est en hardcore. Bah, je pensais que les squelettes en hardcore seraient plus... Oh, et moi, j'étais en train... Dans ma tête, j'étais en easy, moi. Payer des animaux et tout. Bon, les petits papillons, tout ça. Pas bon. Non, on est en hardcore, mec. On est en hardcore. Qu'une vie. You only life once. Tu ne vis qu'une fois. Bon. Tiens, on se fait chier là. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, allez. Dix-sept, ouais. Excusez-moi. Bah écoutez, on a eu des beaux trucs, mais bon voilà. J'y crois pas. Salopard! Qu'il y avait ici du sable. Ouais. Bon, moi je vous propose c'est qu'on se passe une nuit ici. On va pas s'enterrer, on va juste chasser de l'Enderman. Petit peu comment ça se présente ici dans les alentours. Waouh. Une savane. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont corrigé ça normalement en 1.7. Normalement les biomes sont assez cohérents. Ça veut dire qu'on trouve les arides et les... Enfin les... ça va être chaud, tempéré et froid. On n'aura plus de désert et un biome toundra l'un côté de l'autre. Normalement, c'est plus censé arriver. On n'aura plus ce genre de problème. Parce qu'il fallait vraiment dire que c'était un peu hardcore. D'ailleurs, sur la map... Bah non, ça existe toujours, d'ailleurs, ce bug.
Ah ouais, non, je crois que ma map elle a été générée en 1.6 sur le sur l'épopée d'un enchanteur. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois que ça a été généré en 1.6. Magnifique. Magnifique, magnifique. Le soleil est au zénith. Splendide. Allez, on va remonter. Enfin, on va retourner dans notre biome désert. C'est sympa le biome désert, je trouve. Hop, toi, je te veux. Non, bah je comptais avoir des viseurs squelettes et puis bah finalement non. Voilà. En soi, on pourrait se faire la vieille technique de protection en désert dans l'urgence. Pour cela, il me faut du cactus. Beaucoup de cactus. Il m'en faut 4 fois 2, 8. Pas de bêtises. Non, plus que ça. Il m'en faut 4 fois 4 fois 2. 4 fois 4 fois 2. On remarque donc. Non, 8 ça m'ira. 8 ça m'ira. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse technique de protection? Je vais vous la montrer rapidement. Je l'avais montré il y a longtemps sur ma toute première série. Il s'agit d'un truc assez simple. Il s'agit simplement qu'à l'urgence, on se fait une petite croix. Comme ceci. On prend du cactus. Et simplement, on entoure. Hop, voilà. Bon, alors on est. Voilà. Puis on peut pas en fait se piquer vu qu'on a un rebord. Même s'il est vrai que voilà, avec deux, c'est plus sécurisé. Voilà. Et de toute façon, ça pousse encore pendant la nuit. Et puis donc on risque pas grand chose. Et puis voilà quoi. C'était la petite technique que j'utilisais en cas d'urgence quand j'étais perdu dans le désert. Je m'en sers toujours de cette technique, à vrai dire, quand en cas de souci, je vois de la bouffe au loin. On va aller s'en chercher. Voilà. Bon bah écoutez, bah. On va pouvoir aller en faire cuire à la place du sable qu'il y avait dans le four. Je sais plus pourquoi. Oui, c'était pour me faire des
des fioles pour les potions, c'était ça que j'avais fait. Extermination de vache! Exterminate! Voilà. Ça, vous l'aurez certainement eu à l'épisode 0. Oh, ça me prend du temps pour les... pour le montage de l'épisode 0. Oh là 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 là. En tout cas, si vous êtes toujours là pendant que... au bout de ce 41e épisode, même plus que ça maintenant. Alors oui, je voulais dire, la série, elle est en hardcore pour moi, mais elle est aussi en hardcore pour vous. Parce qu'à regarder, franchement... Accrochez-vous. Il faut que je retrouve ma cachette. Cachette. Là-bas. Non, par là c'est de la lave. J'y crois pas, je me suis paumé dans le désert. Faut le faire. Les creepers, si ça pète sur moi, je m'en fous un petit peu. Ça ressemble pas. Oula. Non, c'est la lave, ça. C'est la lave. Bon. Quand même prendre l'épée en main, on va pas déconner. Ouh, je veux. Ok.
petit peu en fait. Oh, pour une, on s'en fout. Ouais, protection 3 et APA 2. Alors l'APA 2 il sert à rien, mais la protection 3 je veux. Je le veux. Il va falloir se décider à savoir qu'est-ce qu'on va acheter. Des selles, on a des tonnes. L'armure de cheval, voilà. De l'engrais, ça peut toujours servir pendant nos plantations. Et le dernier, non. On a tout vu? Ok. Évidemment. Qu'est-ce qu'on peut jeter, le silex? Voilà, TNT. TNT. Ok. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle Zombie Arena. Une patate. Contre quoi? Des fois. Non. Ça, je m'en fous. C'est la patate que je veux. Patate, si on pouvait la démultiplier, ça serait cool. Là, j'ai plus de place. Allez, il faut absolument que je récupère. C'est mon. Enfin, que je retrouve mon repère. Quand même fort quand même de ne pas retrouver son. Son endroit quoi. Oh non. J'ai vu le pire de tout. C'est une bordure, c'est une bordure de. Donc, ça doit bien pouvoir être retrouvable. Oui, je sais. Allez, taillot. Idéal à con de vouloir chasser les Enderman ici. En plus, je vois même pas un seul Enderman. C'est ça le pire, c'est que je suis là pour ça. Et que là, je me fais. Comme dirait là, je me fais poursuivre par la moitié de la population de Taïwan. Référence Gazé Porto. Là-bas. Même pas, c'est même pas là. Où aller? Pogo! Bon. Ah, pour ceux qui ne sauraient pas, le pogo, c'est un truc de métal. C'est dans les concerts de métal généralement
Les mecs, en fait, ils se percutent, simplement. Ils se jettent les uns sur les autres, ça fait un pogo. C'est ce qu'on appelle le pogo. Je voudrais retrouver ma porte du Nether, s'il vous plaît. J'ai dû faire deux fois le tour du désert, je suis sûr. Et il n'y a même pas d'Enderman. J'y crois pas. Pas un Enderman dans la nuit. Bon. C'est simple, hein. Nuit dans le désert et puis journée dans les plaines pour attendez. 2500 et 1200. 2500, 1200. Il a échappé à madame celui-là. Oui. Je veux ça, je veux ça. Je le veux, alors j'y cours. Alors là, ok. Du porc en veux-tu en voilà. Hein. Juste avant que je meure de faim. Et ben moi qui voulais des patates. Ok, est-ce qu'il y a une forge ici? Il y a un libraire. Il y a des maisons, tout ce qui est plus convenable. Mais il ne semble pas y avoir de forge. Ok, ici c'est vide. J'aimerais m'installer dans une maison. Ça serait cool. Ils n'ont pas de lieu de culte aussi, c'est bizarre. D'habitude, il y a souvent un lieu de culte. Ok, ici ce sont des fermiers. Ok, pas de blacksmith. Apparemment, ils cultivent pas non plus la carotte. Hein. Ah si, non, on est pas plus tard aussi. Ok, et là, il n'y a pas à chier, il va me falloir de la pierre. On va juste détruire une petite maison qui ne sert à rien.
En soi, on pourrait faire de la reproduction de villageois, on est encore, je le rappelle, en 1.7. Donc on peut toujours faire reproduire les villageois avec comment dans un hôtel à PNJ. J'ai plus ma table de craft, ainsi soit-il. Ok, rapidement, non, tais-toi, encore du bois, pour me refaire du charbon le plus rapidement possible. Ok. On va voir un petit peu ce que nos villageois ont à nous proposer. Ah, j'ai trop de choses sur moi. J'ai trop de choses sur moi. Ça va pas. Oui, c'est ça qui s'est activé. Ok. Ah, c'est ça que j'avais dit qu'on ferait. Je suis con, bah. Oui, je suis désolé, mais oui, entre deux, j'ai oublié. C'est vrai que j'avais dit qu'on ferait le. Oh, je suis désolé. Le. Comment? J'avais dit qu'on ferait le. Ah, la ferme. Oui. Ah oui, logique. C'est par là. 1500, j'y suis. Et merde, j'ai mal noté mes 1200. Ok, c'est juste un peu plus par là, c'est tout. Et 2500 et moins 2500, donc je suis parti du mauvais côté. Aïe, ça c'était un cactus. Bon, et bien
surtout, ce sera ma main dans la gueule si j'arrête pas de dire des conneries. Oh non! Bof, ouais, bah oui. Ouais. Établi.